Plaisir d'accueillir pour la première thématique qui est, ça va être en anglais, CIO and Information System, Jean-Baptiste Roger qui vient nous parler de, du track DSI Région. Bienvenue Jean-Baptiste, merci. Donc Aurélie m'a dit que j'avais que quatre minutes, donc il y a un, un compteur là. C'est ce qui est épouvantable pour moi parce que je suis en général très bavard. J'ai plus des discours un peu à la Chavez ou à la Castro que quatre minutes. Donc euh, euh, juste vous dire un tout petit mot. Donc je suis le directeur de la fonderie. Donc la fonderie c'est un organisme public euh, nouveau. Euh, J'ai eu la chance de m'occuper de numérique au cabinet de la région Île-de-France pendant longtemps et donc d'être partenaire, acteur euh, de temps en temps un peu copapa de, de beaucoup de choses sur, sur l'open source. On a parlé ce matin. Des ENT, on a parlé aussi euh, du, de la distribution d'un million de clés USB auprès des lycéens, clés USB qui comprenaient évidemment un, un bureau open source euh, avec les meilleurs outils euh, euh, mis à disposition de, de cette masse très importante d'élèves. Donc on a, on a essayé d'inventer euh, le public aussi en mode, euh, en mode échange ou compréhension ou euh, euh, amical aussi, complicité, essayer de, de, avec les professionnels d'essayer de comprendre en quoi on pouvait avoir une utilité et donc essayer de continuer à transformer, à, à hacker les institutions. Je... Je suis fait un peu une spécialité du hacking d'institutions et donc euh, après des années au, au cabinet du président de la région, j'ai un projecteur juste dans la figure. Donc je ne sais pas si vous êtes 100 000 ou si vous êtes deux, peu importe. Euh, donc après euh, plusieurs années, euh, la région a décidé de continuer euh, son hacking personnel ou sa transformation, son auto-transformation, en créant un, un organisme public un peu nouveau goût. Euh, donc c'est la fonderie et donc euh, qui euh, a une vocation d'être d'apporter euh, une compréhension. Euh, de de faire le go-between entre vous, les professionnels, les acteurs du changement, et euh, je vais y venir tout de suite, et, euh, et les institutions, euh, ils ont la, la représentation politique euh, au sens large qu'on a trop tendance souvent à considérer comme un peu euh, étanche au, au changement, euh, étanche aux nouveaux nouvelles thématiques, et on essaie de bah, je, année après année euh, d'expliquer, de, euh, un peu en mode complicité, amicale séduction, euh, de vous dire qu'on bah, on écoute ce que vous nous dites tout le temps, et qu'on essaie d'intégrer de nouveaux modèles, et en particulier euh, le modèle de l'openitude ou de l'ouverture euh, sous toutes ses formes. Et donc, à, à, à l'occasion de cette année, il me reste une 45, à l'occasion de, de cette année, on a euh, essayé au moment de la, de la conception même du, du programme de, de cette année, puisqu'on intègre chaque année des choses supplémentaires dans cette vision très large de, de l'ouverture et du partage. On a essayé cette année de, de franchir une nouvelle étape sur euh, le travail de conviction, de présentation euh, de la transformation euh, des structures ou des superstructures, en particulier des superstructures publiques, euh, et souvent euh, grâce à des individus euh, pleins d'énergie, pleins d'idées, et très souvent euh, des responsables des services informatiques, des DSI, des euh, CEO, euh, donc, euh, pour, euh, qui, qui peuvent être aussi des acteurs du changement et de, de promouvoir à l'intérieur même de la mise en place de nouveaux outils ouverts, partagés. Collaboratif euh, des transformations qui sont des transformations d'ordre politique au sens noble du terme avec un, un P majuscule. Donc, pour essayer de, de, de creuser ce, ce sillon euh, d'une de, de sorte d'avant-garde des, des, des responsables informatiques qui ont intégré dans leur démarche une, une dimension ouverture, partage, donc open, euh, logiciel libre, euh, on a essayé d'organiser, de, de, donc ça va avoir lieu aujourd'hui, euh, d'organiser un. Une rencontre véritablement constructive, co-constructive pour le coup, entre des responsables d'entreprise, des gens qui ont mis en place de bonnes pratiques, et puis un ensemble de, de responsables informatiques, alors à la fois des responsables informatiques au sens large, et puis plus spécifiquement plus spécifiquement un trac un peu réservé aux responsables informatiques des structures publiques, pour qu'on puisse continuer année après année à faire entrer dans les esprits, dans les process, dans les manières de faire de l'ouverture, du partage, de la collaboration, puisqu'on pense qu'aujourd'hui c'est le bon moyen et la bonne manière de voir. Juste un dernier mot, parce que j'ai déjà dépassé. Je vais peut-être prendre à rebours un peu le climat actuel pour vous dire que moi j'ai l'impression de vivre une époque absolument formidable, une époque de... Crise où tout est dur, tout est tendu, mais en même temps tout est à réinventer, tout est à, à remettre en place, à, puisque beaucoup de choses sont un peu cul par-dessus tête. Donc on peut essayer tous ensemble de réinventer quelque chose et de mettre en place toute une série de bonnes pratiques fondées justement sur toutes les valeurs qu'on partage tous ici. Et juste un dernier mot, donc vous aurez, si vous nous faites le plaisir d'assister au, au track cet après-midi, on, on vous distribuera un document que vous avez peut-être eu l'année dernière, mais qui est une, une réédition augmentée, modifiée, etc. Donc une sorte d'outil très pratique, de tout un vademécom à disposition des, des décideurs des systèmes d'information, présentant toutes les solutions open source du marché. Et donc, euh, évidemment, c'est une sorte de, de cahier de, de, cahier de bonnes pratiques pour, euh, pour essayer de, de mettre en place, là aussi, euh, brique après brique, des choses qui sont euh, partagées, ouvertes, collaboratives, et dont les coûts aussi, puisqu'on est en période de crise, et on l'a prouvé euh, au sein de la région, euh, les coûts peuvent être partagés, et on peut avoir des, des choses qui sont euh, à plusieurs à plusieurs institutions euh, de, de meilleure qualité, et donc à, à coût réduit. Donc on est dans un... Dans dans, dans une espèce de, de mouvement intéressant, de réinvention, et on voulait participer Alors, de ce mouvement. Alors, DSI Région, c'est où et c'est quand J'en sais rien, c'est ici, <laughs> c'est cet après-midi, c'est à 15h. Euh, donc, euh, on va tous passer deux jours et demi ou trois jours ensemble, donc vous avez tous le track, je ne sais voilà. pas dans quelle salle ça va se passer, moi je reste là, de toute façon, avec vous. Euh, donc, donc, à Donc la à salle Milan, DSI Région, voilà, présentation ne cet après-midi à 15h. Voilà. Et on a un autre track qui s'appelle Convergence DSI. Alors, est-ce que euh, tu peux nous en parler un petit peu Oui, en fait, ces deux tracks, si, si j'ai bien compris euh, ce qu'on avait proposé à un moment, ces deux tracks sont un peu liés, puisque euh, l'idée, c'est euh, effectivement euh, de, de, de... On parlait de cross-fertilisation ce matin, c'est vraiment de l'échange de bonnes pratiques et, de, et aussi de cartes de visite, de mise en place d'un réseau de relations nouveaux, euh, pour que vous puissiez, euh, vous qui êtes euh, pour certains des, des décideurs, des acheteurs, des, des, euh, des architectes des systèmes d'information, pour que que vous puissiez rencontrer les bonnes personnes et puis que ça vous donne l'idée c'était quand même qu'on donne envie d'avoir envie donc euh, voilà c'est ça de c'est c'est pour ça qu'on a organisé ces deux sessions un peu emboîtées une à destination plutôt des DSI euh, public, bon, l'île de France, parce que c'est plus simple, mais on a invité très large, et puis euh, Convergence des FCI, qui, est la, là, pour le coup, est encore plus large, puisqu'il s'agit de euh, mêler euh, des, du public, du privé, euh, des apporteurs de solutions, des gens en recherche de, de, de solutions. Et donc, euh, qu puisse, euh, que ça puisse être véritablement co constructif et que vous puissiez repartir d'ici, à la fois avec euh, ce guide, à la fois avec plein de cartes de visite, et puis surtout euh, plein d'envies nouvelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.